أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العلي العظيم. Chers parents, frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de nos 14 Masoumin alayhi salam, nous avons eu cette chance de célébrer la commémoration du martyr de Hussein al-Ghali, Ibn Ali, Ibn Abi Talib alayhi salam. Et Inch'Allah, durant ces jours restants, c'est-à-dire à peu près nous aurons la chance d'être ensemble pendant 5 à 6 nuits, nous allons discuter d'un sujet qui sera assez important. Tous les sujets traités dans les majalis sont importants, bien sûr. Je vais directement aborder mon sujet en sautant les étapes de présentation parce que ce n'est pas la première fois que vous me voyez ici. Alhamdulillah. Et j'ai l'habitude de dire que Saint-André-Jamal, c'est mon deuxième maison, c'est ma deuxième maison, je vais dire, parce que c'est la troisième ou quatrième fois que j'ai eu la chance de répandre le message d'Al-Hussein ibn Ali alayhi salam parmi vous. Avant que je commence, j'aimerais éclaircir quelques points. D'un, je ne parle pas le français mieux que vous, alors je demanderai avec toute humilité, je m'excuse si le deviendra là ou là deviendra le. Vous êtes plus francophone que moi, bien sûr. J'ai l'habitude de prêcher, on vous l'a dit. Inch'Allah, c'est pour nos enfants et nos jeunes qui ont souvent du mal à comprendre des mots extraits, parce que je sais, mon grand frère ici présent, Cheikh Habib Moutar Ali, il parle super bien le Gujarati, et c'est sûr qu'il y a certains de ces mots qui vont passer au-dessus de la tête, parce que lui, il parle très très bien le Gujarati. Donc, pour combler un peu ce vide, Inch'Allah, on va essayer de traiter ensemble un sujet dont le titre nous a déjà été donné. Le sujet que nous allons aborder pour cette année Muharram 1440 Hijri, ce sera à propos de la foi, iman, la croyance. Vous savez, depuis que nous écoutons des majlis, moi par exemple, si vous me demandez, j'ai grandi, je suis né à Mourundav, et à l'époque on appelait Mourundav le, disons, le Karbala de Madagascar. Parce que c'était là-bas que ça avait commencé, les djoulous et les Hosseiniens et tout ça. Et moi j'avais l'âge de 4, 5, 6 ans. On venait à la mosquée, on ne comprenait rien, on somnolait, on dormait. Mais nous venions à la mosquée. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, j'ai écouté, j'ai entendu le mot iman, le mot foi, croyance des millions de fois. Et c'est aussi le cas pour vous, je suis certain. Parce que dans, il n'y a pas un seul majlis, du moins que le Maulana, il parle vraiment d'un sujet qui ne soit pas dans le contexte de l'islam, il n'y a pas un seul majlis où vous n'entendrez pas le mot iman, le mot foi, croyance, akido. Vous savez, notre, je dirais peut-être un problème, notre grand problème, ou bien d'un autre côté, parce que
comment on appelle ça, épée à double tranchant, on dit ça. Dans une pièce de monnaie, il y a toujours deux faces, pile et face. D'un côté, c'est un avantage pour nous, c'est un bienfait pour nous, et d'un autre côté, c'est aussi un handicap. Et je suis garant de ce que je dis devant vous. Et s'il vous plaît, ne coupez pas mes majlis et n'envoyez pas sans en comprendre la conclusion. Deuxième point, avant que je commence le discours, j'aimerais vous dire une chose. Il se peut que la discussion que nous allons commencer aujourd'hui, la conclusion, vous ne l'aurez que vendredi soir. Alors, ce n'est pas parce que ce que je dis aujourd'hui, ce sera la conclusion. Donc, peut-être que je vais parler des problématiques aujourd'hui. Demain, je vais parler d'une autre chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est ma conclusion, c'est notre conclusion. Non. Les majlis d'un ashra, c'est toujours comme ça. C'est toujours ficelé comme ça, c'est toujours enchaîné. Donc, déjà, j'inviterai mes petits frères, mes grands frères, mes semblables, mes soeurs, parents, d'être là à 8h15 tous les soirs, Inch'Allah, pour que les maillons de chaîne de la chaîne que nous allons commencer ce soir ne se détachent pas, Inch'Allah. Précisément, salawat sur Muhammad wa Ali Muhammad. Je viens de vous parler de pile et face. Je viens de vous parler de notre identité, c'est-à-dire que nous sommes nés croyants. Nous sommes nés musulmans. Nous sommes nés chiites. Et je peux vous dire une chose, c'est que d'un côté, c'est un avantage pour nous. Parce que dès notre naissance, nous avons déjà la voie droite. Mais d'un autre côté, c'est un inconvénient aussi. Pourquoi ? Parce que c'est comme si on a reçu la religion, la croyance, la foi sur un plateau bien garni. Et des fois, on n'a même pas eu besoin d'aller chercher ce iman, cette foi. Et c'est ça qui pourrait, je dis qui pourrait, hein, c'est inconditionnel, qui pourrait être un handicap à la longue, aussi bien pour moi, pour vous, pour mes petits frères. Et c'est cette étape que nous allons essayer d'éclaircir ensemble. Vous savez, dire je suis moumin, je suis croyant, c'est facile. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le titre de moumin, c'est quand Allah, il nous dit que tu es croyant. C'est la même chose. D'ailleurs, certains de mes majlis de Muharram, je dis toujours ça. Le kamal, le summum n'est pas que moi je dis Hussein m'appartient. Ou bien j'appartiens à Hussein, ou bien je suis à Hussein. Le summum, c'est lorsque Hussein, il dira tu m'appartiens. Vous voyez la différence? Donc nous, nous avons toujours tendance à se donner des titres. Je me dis, je suis moumine, je me dis, je suis musulman, je me dis, je suis déjà partisan d'Ahlul Bayt. Mais par contre, il y a certaines conditions à remplir. Il y a certains formulaires à remplir. Comme dans toute démarche administrative, nous aussi, vous et moi, nous avons à prouver notre foi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne marchera pas dire tout simplement que je suis croyant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour vous donner, parce que ce soir, Inch'Allah, avant d'aller se coucher, j'aimerais que vous méditiez. Je voudrais que vous réfléchissiez aux deux versets coraniques que je vais vous présenter, Inch'Allah. Premier verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 8 et 9. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين الله سبحانه وتعالى dit parmi les gens
il y a ceux qui disent, nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons au Qayamat, nous croyons aux imams, nous croyons au dernier jour de jugement. C'est ce qu'on vient de dire là tout à l'heure dans l'introduction. Il y a certaines personnes qui disent que je suis croyant, je suis chia, je suis musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite après, c'est comme si on a coupé quelque chose. Hein. Stop! Allah subhanahu wa ta'ala, tandis qu'en fait, il ne croit pas. C'est grave ça. Les gens, ils disent, nous croyons. Mais aujourd'hui, si vous me dites, j'ai déjà mangé. Je dis, oui, vous avez mangé, bien, merci. Alhamdulillah. Les gens, ils viennent, ils disent, nous sommes croyants. Allah dit, allez, 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 j'ai pas besoin de vous. Vous n'êtes pas croyants. Réfléchissons un peu, quelques secondes. Si jamais c'est mon cas, qu'est-ce qu'il adviendra de moi le jour du jugement? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? C'est pour Coran, hein? Pas histoire, c'est pas un conte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 9, il avance, il dit, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون. Et ces gens-là, ils cherchent à tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, on essaie de diversifier les choses dans la vie. On a cette habitude, on a cette capacité, et parfois on a ce talent de diversifier les choses. On vous l'a dit, on dit, Fat faravina kwani bo adatu ya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il cherche à tromper Allah, il cherche à tromper les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ujarati maneke, il le connaît ban kwan natri. Voilà donc l'introduction. Encore une fois, je dois poser cette question. Peut-être ne suis-je pas parmi ce groupe de gens. Comment je peux définir qu'est-ce que, en vrai, le mot foi, ça veut dire quoi? Avoir la foi, être croyant. Comment je pourrais me définir? Comment je peux acquérir ce stade-là? Comment je peux avoir ce grade de croyant? On va essayer de voir ensemble. Pour terminer, je vous invite à visionner un autre verset du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le surat Al-Hujurat, surat numéro 49, verset 14, chapitre 49, verset 14. C'est presque la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qalatil arabu amanna. Il y a les bedouins qui étaient venus voir Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus, ils disent, qalatil arabu amanna. Ô prophète, nous sommes devenus croyants. Nous croyons à toi, à Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons à ta religion, nous croyons à tout ce que tu dis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son messager, « Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. » Au prophète, dis-leur, vous n'avez pas encore la foi. Dites tout simplement que vous êtes soumis à l'islam. Que vous avez juste accepté l'islam. Vous n'êtes pas encore croyant. Pourquoi? Parce que la foi, le iman n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Conclusion. Iman, c'est vraiment autre chose que ce que j'ai cru avoir comprendre jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce point-là. Parce qu'Inch'Allah, tous les soirs, il y aura des points
qui vont nous éveiller l'esprit, inshallah. Parce que moi aussi, j'étais comme vous. Hein. Tant que je n'avais pas lu ces versets-là, je me disais, je suis un grand moumine, je suis déjà croyant. Mais puis quand, étape par étape, jour après jour, quand j'ai lu ces versets-là dans le Coran, je me suis rendu compte que je suis vraiment loin. Je n'ai pas encore atteint ce grade de croyant. Donc, Inch'Allah, à partir de demain, nous allons essayer de voir que la croyance, la foi, a une relation étroite avec le cœur. On va essayer de parler du cœur, on va essayer de continuer ces versets beaucoup plus en détail, et nous allons essayer de donner beaucoup plus d'exemples afin que nous comprenions le sujet, Inch'Allah wa ta'ala. Ce soir, donc, nous allons commémorer ensemble le martyr de Habib ibn Allah, al-salam, que Cheikh Inch'Allah, il va nous expliquer. Donc, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder beaucoup plus de tawfiq afin de pouvoir faire le azanari de Jumaa al-Hussein al-Salam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على